Salut à tous et bienvenue au Bendo Chic. Je suis très content de vous avoir tous aujourd'hui. Je m'appelle Samora. Vous m'avez peut-être entendu dans un podcast qui s'appelle Le Moicast, ou alors vous m'avez peut-être vu dans un carrefour près de chez vous. Et aujourd'hui, je dois vous dire que je suis très heureux. En effet, s'il y a bien un événement dans la vie qui apporte le sourire, la joie, la motivation, ce sont les premières. Le premier amour, le premier baiser, la première gorgée de bière, le premier album de Meryl qui sort le 21 février. Allez l'acheter. Jour avant caviar, bien évidemment. Alors oui, souvent, les premières, c'est du stress. C'est de la peur. Mais pour moi, c'est un bon stress, une bonne peur. C'est en fait le signal que t'envoie ton corps pour te dire « Hey mec, attention, tu vas tomber dans le vide, fais gaffe. » Un simple réflexe de survie. Mais vous savez quoi ? Moi, j'aime ce sentiment de vertige que procure une première. J'aime me dire que ce signal que m'envoie mon cerveau est la preuve qu'on est quelque part en train de faire quelque chose de beau et peut-être, qui sait, de grand. En plus, je dois avouer que je triche un peu. Parce qu'évidemment, je ne pars pas seul dans cette aventure. Déjà, il y a vous, spectateurs, auditeurs qui allez écouter ce podcast. Merci d'être là pour m'accompagner. Et puis, il y a évidemment l'équipe organisatrice du Bendo Chic, Yvon et Terence, qui m'offre cette opportunité. Et puis, évidemment, mon invité, qui sera un peu la marraine de ce nouveau concept, Marie, merci. Merci. J'espère que ça va bien se passer. J'espère aussi. Donc, je pense que toutes les conditions sont réunies pour faire de belles choses. Alors, c'est parti. Poser, mais avant, je crois qu'il y a les dieux du Bendo Chic qui veulent nous dire deux, trois choses avant de lancer la machine. Les dieux, ils commencent très fort. Je plonge dans le vide tout de suite, c'est ça ? Ok, d'accord. Bienvenue à tous. Merci de nous écouter, les auditeurs, si on a tout de suite. Le Bendo Chic, c'est un concept qu'on a lancé avec Terence. Et le but, c'est d'améliorer la visibilité de nos talents. Que ce soit dans la conscience, parce qu'après tout ce qu'on a fait, on a vraiment voulu mélanger la conscience et la musique, parce que je trouve que c'est en 2020, c'est quelque chose d'assez important avec tout ce qui se passe dans nos vies ces jours-ci. Donc le Bendo Chic, concept vraiment simple, rendez-vous des talents. Il y en aura dans tous les sens, parce qu'il y en a énormément dans notre contrée, dans notre communauté, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Et le but, c'est de réunir tout le monde et d'être une force ensemble. Donc je sais pas, il y a tellement de choses à dire sur le bendo, tellement de choses qu'on veut donner dans ce concept-là, mais le but c'est vraiment de trouver un lieu où on puisse tous se réunir et avoir une force ensemble et avancer ensemble. Quoi. Donc bienvenue au Bendo Chic pour la première et des applaudissements quoi. Voilà. Merci les gars de nous donner cette plateforme. Alors Marie, à nous deux. À nous deux. Enfin, nous deux, on n'est pas vraiment en intimité, mais... Alors, Marie, première question. Je crois que c'est plus nécessaire de te présenter, mais imaginons qu'on soit sur une autre planète avec des gens qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu dirais pour te présenter ? Déjà, je pense qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, c'est normal. Donc, en fait, je ne suis pas coach de vie. Non. Je suis coach stratégiste et en fait, je travaille avec les personnes qui seraient victimes de discrimination au travail, principalement victimes de discrimination raciale. Oui. Et en fait, mon travail, c'est de dénouer, de résoudre et d'expliquer en fait toutes les dynamiques qui sont en jeu quand on est la seule personne noire, par exemple, ou la seule personne racisée au travail. Ok, c'est une très bonne manière de se présenter. Et aujourd'hui, tu es un peu la superwoman des minorités au taf, grâce à ton agence NKLI Works. Mais étant plus jeune, c'était une direction qui t'intéressait déjà ? Honnêtement, non. Dans la mesure où, en fait, j'ai su très tard que j'étais noire. Donc, toutes ces questions-là, si tu veux, en fait, elles étaient pas forcément dans ma tête. Ouais. Donc, du coup, en fait, j'ai vécu un peu comme une personne un peu insouciante de toutes ces dynamiques-là. Mmh. Et forcément, en fait, la bonne nouvelle, en fait, c'est que la France est un pays tellement raciste et discriminant qu'à un moment donné, on te ramène à l'ordre. On te rappelle à l'ordre. Et donc du coup, c'est ces différents rappels à l'ordre qui m'ont emmené là où je suis aujourd'hui. Donc en fait, moi, je pars d'un
d'un terrain complètement différent, puisqu'avant j'étais manager, mais dans le milieu de la mode. Mmh. Et donc, c'est 10 ans de management dans la mode et 10 ans où à chaque fois que j'entre dans une salle de réunion, je suis la seule femme noire. Mmh. Et donc, avec tout ce qui va avec, les micro-agressions, le polissage de mon langage, de mes cheveux, le perpétuel questionnement de pourquoi je suis là. Mmh. Et en fait, c'est toutes ces expériences qui m'ont amené à ce que je fais aujourd'hui. Ok. Et justement, je te disais que tu as travaillé dans le monde, dans le management. Être manager racisé, c'est quoi au quotidien? C'est beaucoup de difficultés à te faire respecter, à te faire comprendre, entendre. Bah en fait, déjà, en fait, il faut savoir en fait quand on est par exemple la seule personne noire dans un environnement blanc, en fait, on va vous traiter comme un accident industriel. D'accord. Comme une espèce d'ovni qui est posé là, dont on connaît pas l'existence et dont on va questionner l'existence à chaque moment. Et donc, c'est la difficulté à s'imposer, c'est la difficulté à être prise au sérieux. Quand on veut par exemple imposer des choses, c'est tomber directement sur le stéréotype de l'angry black woman. C'est le fait aussi de voir toutes ces décisions questionnées, c'est le fait aussi de souffrir en fait de ce qu'on appelle le déni de compétence. Et aussi, c'est aussi le fait de se demander ce qu'on fout là. Ouais. Et dans tes différentes prises de position, dans tes prises de parole, pardon, où j'ai ton activité auprès des femmes racisées, tu utilises souvent des termes comme le mot lutte, le mot survie, le mot stratégie. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, les femmes racisées plus que les autres sont dans une sorte de guerre avec le monde de l'entreprise? Oui, parce qu'en fait, être l'exception dans un environnement, en fait, c'est déjà une forme de violence. Dans le sens où, imaginons, donc, je suis une femme noire, j'arrive dans une entreprise, je suis la seule femme noire du service. Le service au-dessus, là où je devrais peut-être évoluer, je me rends compte qu'il n'y a aucune femme noire. En fait, ça veut dire que je sais déjà où est mon plafond. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça veut dire que le fait d'être l'exception, c'est déjà la violence, puisqu'on va te traiter aussi comme l'exception. Et aussi, dans ce milieu précis, en fait, tu vas être l'autre. Tu vas pas être, en fait, je vais pas être moi, Marie, mes compétences et mon parcours. En fait, je vais être l'autre. Et en fait, il y a beaucoup de manières, en fait, d'oseriser la personne. Moi, j'ai eu ce cas d'une... Enfin, je les appelle pas clientes, les personnes que j'accompagne. Je les appelle les pépites. Et en fait, j'ai accompagné une pépite. En fait, c'est une problématique qui a l'air toute simple, mais en fait, qui est assez violente. En fait, un jour, elle change de coiffure. Ouais. Elle est assise à son bureau et en fait, t'as des personnes de tous les autres étages qui se déplacent pour venir voir, la regarder. Ouais, comme un zoo humain. Comme une espèce de zoo humain. En fait, ça peut paraître extrêmement anodin ce que je te dis, mais en fait, c'est d'une violence inouïe. Bah oui, bien sûr. D'avoir des personnes qui se déplacent d'autres étages, qui ne disent rien, qui viennent, la regardent et repartent. Voilà. Oui, effectivement. C'est pour, juste pour donner un exemple. Et donc du coup, quand on est dans cette situation-là, où on pense être dans une situation de harcèlement au travail, quels sont les éléments qui peuvent nous confirmer qu'on est bien dans une situation de harcèlement? Parce que parfois, on n'a pas forcément la sensation qu'on l'est. Je parle pour mon cas précis, genre, par exemple, ou de personnes que je connais, qui sont dans une situation un peu complexe, mais qui n'arrivent pas à mettre les mots dessus, dire « je me fais harceler ». Comment est-ce que tu t'en rends compte? En fait, c'est très violent En fait, on ne met pas les mots dessus parce que c'est violent de le faire. Parce qu'une fois qu'on a mis les mots dessus, y a peut-être aussi l'obligation d'agir, et c'est peut-être cette obligation d'action en fait qui nous paralyse dans un premier temps. Donc on va essayer d'être dans une sorte de déni. Mais je dirais en fait qu'on n'a pas besoin de faire trois masters pour savoir si on est discriminé ou harcelé. En fait, c'est les tripes qui le disent. C'est est-ce que je me sens bien quand mon réveil sonne et que je sais que je dois aller au travail? C'est quoi cette boule au ventre quand je vais entrer dans mon bureau? Et pourquoi je pleure après ma journée de travail? Et pourquoi je dors pas? En fait, c'est des indicateurs en fait qui te révèlent qu'il y a effectivement quelque chose de pas normal. On va pas tout de suite se dire ah je suis harcelée ou je suis discriminée. En fait, c'est le corps et les émotions qui vont parler en premier. Donc il y a tout un travail d'interprétation de ces émotions-là. Ok. Et justement, moi, je vais t'emmener un peu sur ce terrain-là. C'est le terrain vraiment des micro-agressions. Je pense que c'est des choses qui permettent, en les connaissant, de savoir aussi identifier des situations de harcèlement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une micro-agression, par exemple? En fait, une micro-agression, c'est une petite phrase.
Enfin, moi, je suis pas trop d'accord avec le terme microagression, mais en fait, je trouve que microagression, c'est quand même, ça a quand même le mérite d'être utilisé dans la mesure où ça traduit quelque chose d'extrêmement subtil, en fait. La microagression, c'est quand tu vas te retrouver dans une salle de réunion, que tu vas te faire microagresser et que tu vas être le seul ou la seule à percevoir ce qui se passe. Par exemple, imaginons que, je sais pas, moi, j'ai déjà eu ce cas où une personne, en fait, elle fait une présentation avec son PowerPoint, etc. Et à la fin, une collègue la félicite et la félicite sur son français. La personne est née dans le 13e. Voilà. Donc, en fait, déjà, ça a l'air d'être quelque chose de positif. On vient, on te félicite sur ton français, mais la personne est née dans le 13e. Donc, y a un décalage. Et si tu dis, mais en fait, c'est pas normal ce que tu me dis. Bah en fait, personne ne va comprendre. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de moments où on te fait, où on ressort des phrases, des petites phrases, mais qui sont censées être positives. Par exemple, je te disais en off, pour les personnes noires, on va leur souvent faire des remarques sur leur performance sexuelle, ou une personne... personne n'a rigolé, c'est bien, je suis content. J'avais peur de l'homosexuel, j'avais peur que ça fasse ça. Ouais. pour une personne asiatique, on va dire qu'elle est bosseuse, très travailleuse. Donc ça peut être vu comme quelque chose de positif, alors que finalement, pas tant que ça. Et comment tu analyses ce genre de... En fait, c'est ça la violence de la microagression. Parce que, en fait, quand tu te reçois la microagression, tu rentres chez toi et tu te dis, mais est-ce que je suis parano? Mais oh là là, mais... Et en fait, t'es en conflit avec toi-même parce que ça avait l'apparence de quelque chose de positif et toi, tu le reçois émotionnellement et physiquement de manière très négative. Ouais. Et donc, il y a cette espèce de conflit où tu te dis, mais est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis parano? On me dit quelque chose de supposément positif et j'arrive pas à l'accepter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi? Le drame de la microagression, c'est ça. C'est pour ça qu'on met autant de temps à y répondre, parce que déjà on n'arrive pas forcément à les identifier. Et faut savoir aussi, moi je parle en tant que femme noire, et moi on m'a socialisée à pas casser l'ambiance. On m'a socialisé à me taire, on m'a socialisé à ne pas apparaître comme agressive, à ne pas apparaître comme quelqu'un en colère, etc. Donc ça veut dire que quand j'arrive dans des environnements, l'enjeu c'est de me lisser au maximum. D'accord ? Donc ça veut dire que parfois je vais me prendre ce type de remarques et je vais pas forcément avoir la force de répondre. Maintenant je travaille sur ces mécaniques aujourd'hui, mais en fait c'est un combat de tous les jours pour moi. Qui travaille sur ces questions-là, de le faire au niveau personnel. Justement, les discriminations au travail, souvent, on parle souvent du cadre du travail, mais on en a parlé, quand tu rentres chez toi et que tu pleures, quand tu te remets en question sur même des sujets hors du travail, etc., ça affecte aussi ta psychologie, ton mental. Comment est-ce que tu travailles sur cet aspect-là des personnes? Est-ce que tu as des trucs là-dessus? Tu travailles avec d'autres gens? Oui, en fait, j'ai une super équipe. Donc en fait j'ai une liste de je travaille avec déjà une juriste, je travaille avec un avocat du travail, j'ai une RH qui fait de la consultance pour qu'on arrive à bien constituer nos dossiers quand on doit faire intervenir les ressources humaines. On a aussi des inspecteurs du travail qui sympathisent avec nous et qui nous donnent des conseils sur comment constituer un dossier pour l'inspection du travail. J'ai aussi une liste de psy racisés et noirs qui travaillent parfois avec les personnes qui me sont adressées. Donc du coup on essaie avec mon équipe de travailler vraiment sur ce qui se passe à 360 et d'envisager dans une stratégie toutes les possibilités. Mais c'est vrai que pour en revenir au début de ta question, c'est vrai que les microagressions, en fait, bien sûr qu'elles nous remettent en question dans ce qu'on est, dans la confiance qu'on a en nous. Mais moi, la première question que je me pose, c'est pourquoi on croit l'ennemi? C'est-à-dire que la personne qui nous fait ces microagressions, parfois on a conscience de la médiocrité de cette personne, parfois on a conscience d'être plus compétent, etc. Et pourtant ce qu'elle nous dit, même si on a conscience de ce qu'elle est, nous touche quand même. Et en fait c'est ça la violence du conditionnement. Après je pense qu'il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui rentre aussi en ligne de compte. Je pense qu'il y a des personnes qui sont minorisées de base ou qui n'ont jamais été en devant de la scène, ont tendance plus souvent à se dire bon, de toute façon j'ai pas ma place là. Et du coup, tu as tendance à croire quand on va dans ce sens-là, justement, à dire que t'es pas...
Forcément, en fait, le syndrome de l'imposteur, on peut le lire de manière psychologique, mais moi, je le lis aussi de manière politique, en fait. Si, par exemple, on dresse un gros tableau d'ensemble, qui sont les personnes les plus susceptibles de souffrir du syndrome de l'imposteur ? Ça va être, bien sûr, les personnes qui sont considérées comme des minorités. Parce qu'à chaque fois qu'elles accèdent à quelque chose, elles accèdent à des espaces où on leur dit tous les jours, où on leur fait comprendre qu'elles ne sont pas à leur place. Moi, j'ai tendance, à retourner la question. L'enjeu, c'est déjà de faire comprendre que ces espaces sont conçus pour qu'on soit pas à notre place. Surtout les espaces de travail, les espaces de savoir, les espaces où on n'est pas, entre guillemets, là où on nous attend. Ouais. Ce que j'ai l'habitude de dire, en fait, aux personnes que j'accompagne sur cette thématique du syndrome de l'imposteur, je leur dis, mais en vrai, tu vas bien ? Est-ce que tu te prendrais pas pour un homme blanc, en fait ? Dans le sens où, par exemple, si on prend un homme politique blanc, hétéro, valide, bah, en fait, la société, elle tourne autour de lui. Et donc, quelque part, même s'il est médiocre, en fait, la société est construite de telle manière à ce qu'il ne soit pas sanctionné pour sa médiocrité. Et en fait, il faut être extrêmement logique. On ne peut pas, d'un côté, dire « je n'ai pas le droit à l'erreur » et de l'autre côté, dire bah, « je suis là, on m'a donné ma chance ». Personne se lève pour nous hyper le matin et pour nous donner. Personne se lève pour aller dire bon, on va tout donner à Marie, femme noire, sur un plateau, en fait. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'accède à un espace, c'est que vu mon non-droit à l'erreur, si je suis là, ça veut dire que c'est complètement justifié. Et quand je vais me retrouver dans une pièce, j'essaie de me rappeler en fait la distance que j'ai parcourue, qui est beaucoup plus importante que les personnes qui sont là, à chaque fois. C'est puissant ce que tu viens de dire. Merci. Avant qu'on fasse une petite interlude, j'ai une dernière question. Peut-être j'ai eu l'occasion d'aller aux Antilles, en Guadeloupe notamment, pour faire des conférences. Et c'est marrant parce que du coup, dans la Caraïbe, on est majoritairement des personnes racisées, donc noires, indiennes, il y a des personnes asiatiques ou issues venant d'un peu partout. Et pourtant, je me pose la question, j'ai l'impression qu'il y a quand même ces dynamiques qui sont en place. Comment tu l'analysais, toi ? Alors, en fait, je suis pas guadeloupéenne. Oui, bien sûr. En fait, je te dis ce que j'ai vu en tant qu'outsider, si tu veux, en tant que personne extérieure. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, si on parle de la question travail, déjà, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une certaine violence dans la mesure où, par exemple, on va avoir des personnes complètement qualifiées sur place et on va leur préférer des personnes qui viennent de Paris, par exemple, alors que il y a des personnes complètement qualifiées sur place. J'ai déjà rencontré des cas où il y avait des personnes qui en Guadeloupe, guadeloupéennes, à qui on reprochait leur accent dans certaines, dans certaines sphères ou dans certaines administrations. Et je trouve que cette violence-là, en fait, elle est encore plus... je trouve qu'elle est encore plus importante qu'en France, parce qu'en fait, tu te dis, bon, bah, moi, je suis dans mon pays, je suis majoritaire. Je suis sur mon île, je suis majoritaire. Normalement, je ne devrais pas rencontrer ce type de problème. Mais vraiment, il y a quelque chose de... En plus, si on regarde, par exemple, sur le tissu guadeloupéen, qui sont les employeurs aussi ? Il y a cette question-là, y a cette question-là aussi. Ouais. Qui sont les employeurs ? Et j'ai l'impression aussi que l'emprisonnement est beaucoup plus fort, dans le sens où, bon, bah, ok, je quitte mon employeur. Si je l'attaque au prud'homme, bah, c'est toute l'île qui le sait. Ouais. Ça. C'est, et si par exemple je me rebelle contre mon employeur, bah, en fait, vu la configuration, bah, il peut faire que je sois blacklisté autour dans d'autres entreprises. Voilà, dans d'autres entreprises, etc. L'influence est beaucoup plus forte. Voilà, c'est là. Je pense que localement, en fait, ce que j'ai vu, en tout cas ce que j'ai constaté, c'est que localement, en fait, l'influence, l'emprise est beaucoup plus forte. Ok. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est. L'emprise est forte à la fois à cause de la taille du territoire et à cause, pour moi, de stigmates même historiques. Tout à fait. Qui font qu'on s'excuse même d'avoir des places alors qu'on est censé occuper les places, justement, parce qu'on est majoritaire. Avant de reprendre, on va parler après des réseaux sociaux, de ton compte et de ce que tu fais avec ton hashtag jeudi sur Viotaf. Parler un peu d'actualité, hein, hashtag grainerie, n'est-ce pas ? Avant de commencer, on a un petit, on a un jeu, on a quelqu'un qui est venu. Tu veux venir ouais, je peux venir, pas de souci. Si tu le souhaites, pour nous parler un peu de ton jeu. Ok. Donc, alors tu nous as rapporté Conficulture. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous parler un peu de Conficulture ? Alors oui, Conficulture, c'est un jeu de cartes culturelles.
sous forme de quiz ouais. et thématique sur tout ce qui est la culture afro-caribéenne. Ok. Et du coup, il est déjà disponible ? Alors, il y a une partie qui est déjà disponible. Donc, en fait, il y a des thèmes gastronomie, tradition sur la Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion qui sont déjà disponibles. Yes. Ensuite, bientôt disponible en mars, il y a ce que je l'ai appelé les héros noirs. Donc, c'est un jeu où on doit trouver de qui on parle. Mmh. Et on parle de Fanon, on parle des Césaire, enfin, etc. Ouais. Donc, vous verrez dans le jeu. Et le jeu, il est très simple. Il y a 3 indices sur chaque carte et on doit trouver la réponse. Donc, okay. Si on trouve la réponse dès le premier indice, bon, enfin, voilà, si tout le monde joue, j'ai même amené des buzzers. Alors, je sais pas s'il y a 3... Ouais, est-ce qu'on a des gens cobayes qui, est-ce qu'on a des gens qui voudraient essayer de jouer Ah, les personnes ici. Non, à part elle. Non. Pourquoi Non, parce qu'elle connaît le jeu par cœur, c'est bon. Okay. Bon, ça peut être rigolo. Est-ce qu'on a des volontaires qui ont envie de participer? Et c'est très facile. Ça, de toute façon, il n'y a pas de caméra, ça reste entre nous, c'est que de l'audio. Ok, une autre personne qui a envie de participer? Allez, c'est parti. Un bijou traditionnel antillais. Les grandes boucles d'oreilles, les créoles. Ah. Mais oui. Ah, c'est pas mal, pas mal. Effectivement, c'était bien les créoles. Alors, ce qu'on un demi-point. Un demi-point chacun. Un demi-point chacun. Alors, je vais pas vous mentir, il y a pas de point, pas de cadeau. Il y a pas de cadeau. OK, vous pas êtes cheap. Allez, on se Alors en fait, moi j'avais plus allé sur la langue, mais effectivement, le glas créole est un bijou, donc c'est bon, ça passe. OK. Ensuite, membre du FLN algérien de 57 à 61. Ah, personne. Ah, oui. Fanon. Wow, bravo. Bravo. Toujours pas de cadeau là. Toujours pas de cadeau. On va réfléchir. Là, on réfléchit. Là, on réfléchit au cadeau. On s'y tient. On s'y tient. Pas de cadeau toujours. Non. Alors, du coup. La réflexion était courte. Alors, premier indice pour ce nouveau mot. One God, one aim, one destiny. Bob Marley. Nope. Non, mais en plus j'ai triché parce que j'ai entendu une personne le dire. Mais mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Prophète jamaïcain surnommé le Moïse noir. Non. Je crois que tu demandais de l'aide. Mais je suis sûr que c'est déjà quelque chose. En plus, m'énerve. Non. Et dernier indice. Adepte du retour des Noirs américains en Afrique. Marcus Garvey ? Ouais. Toujours pas de cadeau. Oh là là, les histoires, ça fait mal. Alors, ensuite, on va faire un... Alors, ça, très difficile. Ok. Premier indice. Non, en fait, c'est très facile, question de rapidité. Préparez-vous, les amis. On n'a pas demandé vos prénoms, d'ailleurs. Lionel. Myriam. Lionel et Myriam, Marie, et moi, je sais pas comment je m'appelle. S'il est love, c'est sur un carreau. Le zouk. Oh là 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 là. Oh là là, les histoires. Le mec est présent. La base. Le jeu est bien. Ouais, le jeu est cool. Attends, c'est quoi cette situation? C'est quoi cette citation du coup? S'il est love, il est sur un carreau. Ah oui, parce qu'en fait, le zouk love, on dit que ça se danse sur un seul carreau. Un carreau de quoi? Ah d'accord, j'ai compris. C'est bon. Ah bah c'est aussi une noire, mais c'est pas tout le monde qui le dit. Et on va faire une dernière. Passons rapidité aussi, les amis. Préparez-vous. Il existe les styles Wabap ou Kalengue. Lionel, tu as l'air d'être chaud comme la braise. Attends, c'est une danse traditionnelle. Alors je continue. En 2004, un film a été dédié à cette musique. Le Goka. Non. Troisième indice, musique considérée comme le jazz antillais. Tu veux participer? Vas-y. Viens. La Biguine. Bravo. Allez, est-ce qu'on en fait une dernière? On en fait une dernière? Allez, les gens, ils aiment. En fait, on va faire que ça. Voilà, laisse tomber les histoires de taf. Ça doit saturer comme jamais dans le micro. Ça va? N'hésite pas à me faire signe. Ok. Ah, j'allais lire la réponse encore une fois. En 1802, proclama la fin de l'esclavage à l'univers entier. Il a une grande portée.
Shelcher. Non. Non, pardon. Non. Ce n'est pas Shelcher. Ensuite, lutta contre Napoléon pour abolir l'esclavage. 3, 2, 1. Éboué. Non. Troisième indice. Mort en Guadeloupe avec ses troupes sans capituler. 3. Ça doit être un général noir. Mais... 1. Delgrès. Oh, t'as pas buzzé. Delgrès. Ouais. Merci Lionel. Merci et à vous. Redis-moi ton prénom. Myriam. Donc, le jeu Conficulture. Alors, il est déjà disponible, Conficulture ? Il y en a quelques-uns qui sont là. Donc mais si on peut les trouver où, sinon, pour les auditeurs ? Alors, est-ce que tu peux venir pour nous dire que tu es parti, tu nous as quittés ? Je vous ai laissé jouer. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, en précision, on peut jouer au travail aussi avec. Tu vois, c'est très simple, c'est dans pour la poche. Pour faire comprendre aux collègues certaines choses. Voilà. Donc, c'est disponible sur le site, la e-boutique nous, vous, il.com. Île comme les îles, ouais, au pluriel. Bien sûr. C'est aussi disponible dans la boutique Nouveaux Îles à Choisy-le-Roi. Donc au 35 rue Émile Zola à Choisy-le-Roi. Mm-hmm. Et sinon, je fais différents événements, etc. Voilà. Ok. Donc Conficulture. Conficulture. Je vous conseille. Donc Conficulture sur Instagram ou sur Facebook aussi. On mettra le lien dans la description d'accord. de l'épisode. Parfait. Super, merci à toi. Wow, les gens applaudissent spontanément et tout. On se croirait sur Canal+. On va donc reprendre notre petite interview fleuve. Donc maintenant, en fait, j'aimerais bien parler avec toi de ta présence sur les réseaux sociaux. Parce que, à l'instar du podcast, j'ai l'impression que les réseaux sociaux sont... T'inquiète, on va pas entendre. Sont vraiment un espace d'expression important pour nous. Ouais. Et du coup, Twitter, c'est devenu un de tes moyens d'expression privilégié. Et j'aimerais savoir comment tu as décidé de t'y établir et comment tu analyses l'interaction que tu as, le succès que tu as là-dessus. Bon, en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment commencé par hasard. Mmh. Donc, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres personnes en fait, qui souffrent de discrimination au travail ? Mmh. Et surtout, j'ai envie de leur poser la question. Donc, en fait, j'ai commencé à poser des questions sur Twitter. Mmh. Et en fait, j'ai vu que beaucoup de personnes... Moi voilà, j'ai commencé à poser des questions. Et en fait, j'ai vu l'intérêt qui était manifesté en fait, quand je posais ces questions. Mmh. Et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose. Mmh. Et donc c'est là que j'ai commencé à en parler sur Twitter et c'est là que j'ai commencé en fait à faire connaître mon travail. En fait, le principe sur Twitter, c'est tous les jeudis, via les jeudis survie au taf, ouais. De raconter une problématique et de proposer en fait des stratégies de résolution. Et en fait, les gens les lisent et puis ensuite ils les adaptent à ce qu'ils vivent. Mmh. Et justement, jeudi survie au taf, pardon, c'est hyper populaire sur ton compte et même beaucoup de gens m'en parlent, même à l'extérieur des réseaux sociaux. Est-ce que tu as des choses qui reviennent souvent dans ces histoires ? Est-ce que ça a débouché parfois sur des résolutions de problèmes ? Parce que souvent, c'est des choses qui sont déjà passées. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a les personnes que je suis. Mmh. Et en fait, je trouve ça très cathartique en fait, de suivre une personne et ensuite de retranscrire son histoire sur Twitter. Mmh. Parce qu'à un moment donné, en fait, quand cette personne avec qui je me suis battue, quand elle va douter... Elle va se rappeler en fait de ce qu'elle a pu faire. Mmh. Donc je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement cathartique, déjà pour la personne dont je raconte l'histoire, mais aussi pour les personnes qui peuvent s'identifier, bien aussi sûr. Qui peuvent se dire en fait c'est possible de sortir de cette situation. Oui. Et donc ça, je dirais que c'est un double enjeu. Bien sûr. Et tu es très sollicité du coup sur les réseaux comme tu le disais. Est-ce que tu arrives à répondre à tout le monde ? De ces réseaux sociaux-là, tu as aussi débouché sur des suivis avec des gens. Oui, forcément. En fait, il y a les questions qu'on me pose au quotidien, mais il y a aussi les demandes de suivi, etc. Mmh. Pour l'instant, oui, j'espère en tout cas que j'arrive à répondre à tout le monde. Mais souvent, en fait, ça dépend pas que de moi. Mmh. Parfois, en fait, avant de commencer à faire de la stratégie sur une situation de travail donnée, il y a aussi la question de la santé mentale et physique de la personne. Mmh. Donc, du coup, parfois, avant qu'on travaille ensemble, je leur dis, là, t'es en burn-out,
tu prends un arrêt. Mmh. Avant même qu'on commence à dire quoi que ce soit, tu vas prendre un arrêt de travail déjà pour commencer. Ouais. Et parfois, je leur dis, bah, moi, en fait, je me sens pas à l'aise de te suivre toute seule. J'ai envie que tu te fasses suivre aussi par un psychologue quand je détecte en fait de la dépression, etc. Mmh. Et donc, on parlait du jeudi survie au taf. Mmh. Est-ce que c'est... Comment dire ? Sur le dernier trade, tu as parlé de la notion d'échec. Ouais. C'est une notion qui revient aussi sur la notion de syndrome de l'imposteur, tout ça. C'est la façon dont on vit l'échec. Et ça m'a fait soulever une question. Je me suis demandé, est-ce que pour toi, on était plus... Quand je dis « on », c'est les personnes racisées, noires ou autres. On a plus tendance à abandonner face à l'échec. J'ai même pas l'impression... Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression, en fait, que l'échec, en fait, nous touche beaucoup plus. C'est-à-dire que quand on est une personne noire et qu'on est en situation d'échec, déjà, c'est pas, entre guillemets, Marie toute seule qui échoue. J'ai l'impression que c'est Marie qui échoue et puis tous les ancêtres qui ont échoué derrière et puis toute la communauté noire, puisqu'en fait, on n'a pas ce luxe de l'individualité. Par exemple, c'est déjà arrivé qu'une personne arrive sur son lieu de travail et qu'on lui dise « Ah là là, mais tu sais que ça fait 10 ans qu'on n'a pas engagé une personne noire parce que Idriss, quand il est arrivé, il a fait une erreur et du coup, on n'a plus engagé de personne noire. On espère que tu n'es pas comme Idriss. » Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, t'as tout ce truc où t'as pas d'individualité. En fait, quand t'arrives quelque part, tu représentes toute ta communauté. Ouais. Donc en fait, vu que t'as pas cette individualité, ton échec, c'est pas seulement ton échec, mais c'est celui de toute la communauté. J'ai souvent des gens qui se disent « Oh là là, mais j'ai échoué à ce poste. » Ça veut dire que plus jamais, en fait, ils engageront un noir. D'avoir mis un stigmate voilà. sur la communauté entière. Exactement. Donc en fait, l'échec, il est beaucoup plus dur à vivre pour nous. Et puis il y a aussi, en fait, nos parents ont conscience qu'on vit dans un système et dans une société raciste. Donc en fait, nos parents aussi ont cette peur de l'échec pour nous. Mais tu devras travailler 4 fois plus, etc. Et en fait, on se rend pas compte, mais le travailler 4 fois plus, en fait, c'est juste la recette du burn-out, en fait. Ouais. Dans le sens où... et en plus, c'est aussi... j'ai envie de dire du pain béni pour les entreprises. Les entreprises, elles vont avoir des personnes qui sont prêtes à travailler 4 fois plus, mais qui sont payées qu'une fois. C'est vrai. Tu vois ? Donc oui, l'échec, en fait, on n'abandonne pas plus vite devant l'échec. Je dirais que l'échec est beaucoup plus dur à vivre pour nous. Et aussi, on a aussi, en tout cas dans ce contexte-là, beaucoup moins la chance de pouvoir se relever, en fait. C'est vrai. Quand tu parlais de se relever, moi je pense aussi à toutes les méthodologies que tu mets en place. Ouais. Déjà, je me posais la question, tu sais, t'as créé la règle des 300 secondes. Déjà, peut-être nous expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis, comment est-ce que tu crées cette pédagogie ? Est-ce que tu inventes vraiment des choses sur... En fait, j'invente beaucoup. Parce que en fait, j'espère qu'un jour il y a un autre coach qui va me contacter, qui va dire Marie, je fais la même chose que toi, mais pour l'instant, je suis un peu seule dans mon terrain, donc oui, je suis obligée d'inventer des choses. En fait, la règle des 300 secondes, c'est une règle que j'ai mis en place pour pouvoir contrer le besoin de l'injonction à la pédagogie. Y a un truc que je déteste, que je vois sur les réseaux sociaux. Ouais. Un mec qui va arriver, je me fais l'avocat du diable et je pense que... En général, ce qu'il y a après, voilà. Ça fait pas plaisir. Voilà, on sait déjà. Je suis pas raciste, mais... Et toi, t'es là, tu vas prendre 40 minutes de ton temps à lui expliquer pourquoi c'est raciste. Alors que Netflix existe. 40 minutes, en fait, c'est un épisode de quelque chose. Donc déjà, c'est pour ça que je trouve ça inacceptable. Et en fait, le truc, c'est de dire, en fait, ok... Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, on a cette espèce d'injonction à expliquer pourquoi on est, pourquoi on existe. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, notre humanité, c'est déjà quelque chose d'acquis. Et en fait, notre humanité, c'est pas une question. Et le but, c'est, si notre humanité pose question, c'est de ne jamais répondre à cette question. Par exemple, j'ai eu le cas d'une personne, par exemple, qui avait une afro au travail. Et t'as pareil, un Jean-Mi qui est venu lui mettre la main dans les cheveux. Et là où j'aurais dit, en fait, quand quelqu'un te fait ça, soit tu tapes la main comme si c'était un enfant, soit tu te lèves, tu t'en vas, soit tu lui dis, ça, ce que tu viens de faire, ne recommence pas. Elle s'est assise, elle lui a expliqué point par point pourquoi c'était pas possible de venir et de lui toucher les cheveux, que le fait de lui toucher les cheveux, c'était aussi un stéréotype colonial et tout. Elle a été hyper patiente. À un moment donné,
il a regardé sa montre, il a dit ciao, il y a des frites à la cantine. Voilà. Et donc, toi, tu t'es. Voilà, il avait des frites à la cantine. Donc, la personne, en fait, a pris le temps d'expliquer de manière très concise, etc. Elle a utilisé de son temps pour expliquer à une personne, et la personne, en fait, elle s'est levée, elle est partie. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir que les personnes à qui on explique notre humanité en permanence, premièrement, ces personnes ne nous doivent rien. Et deuxièmement, il y a aussi ce phénomène comme quoi on les positionne comme valideurs. Ouais. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais comme valideurs, en tout cas. On va valider le terme. Voilà, merci. Donc en fait, quand on explique à une personne, tu sais, quand on commence à faire son exposé pour lui prouver quelque chose, bah, quelque part, on le transforme en valideur de notre humanité. Et donc l'idée, en fait, c'est... Enfin, peut-être que ça va sembler assez pessimiste, mais en fait, il y a des gens qui se lèvent le matin sans jamais avoir expliqué leur humanité. Y a des gens qui se lèvent le matin, ils n'ont pas expliqué pourquoi ils existent. Et j'imagine, en fait, que notre pouvoir, il est là aussi. La recherche de pouvoir, elle est là aussi. Et surtout, il faut comprendre que notre libération ne dépend pas de la compréhension de l'autre. Notre libération, elle dépend aussi du rapport de force qu'on va être capable d'instaurer, même entre deux personnes, en fait. Et donc, moi, je suis pour ne jamais expliquer. Et si jamais on doit expliquer, je suis même plus pour une pédagogie choisie. C'est-à-dire ? Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire ce que je fais, j'ai des amis blancs, je tiens à le dire. tout de suite, c'était ouais, mais Marie, c'est violent pour nous, etc. Moi, je me suis jamais assise pour dire à mes amis voilà pourquoi je fais ce que je fais. J'avais une liste d'articles. Je leur dis là, il y a 10 articles sur les questions que je traite. Tu les lis. Si la personne ne les lit pas, c'est que déjà elle ne méritait pas mon temps. Tu vas au bout des 10 articles. Oui. Ensuite, je te dis, alors qu'est-ce que t'en as pensé ? Oui, mais c'était encore un peu violent. Tiens, je te donne encore 10 articles. Et en fait, l'idée, c'est de jamais. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, son temps. Moi, je considère que mon temps est précieux et cher. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai parlé en fait, de racisme dans des instances, mixtes, dans des instances, parce que moi, en fait, tous mes ateliers, mes conférences, etc., je les fais en non-mixité. Et quand, par exemple, je dois parler devant, par exemple, un public qui serait plutôt blanc, ben, en fait, je suis payée. C'est-à-dire qu'en 2019, à chaque fois que j'ai parlé de racisme devant des instances blanches, etc., j'ai été payée. Ton temps est précieux. Ah, le truc d'aller jeter son temps comme ça. Oui, mais tu vois. Et la personne a dit, il y a des frites à la cantine. Je peux mourir. C'est pour ça que je ne le fais pas, en fait. Je comprends. Et dernière question avant que vous, si vous avez envie, puissiez poser des questions à Marie. Alors, quand on parle de survie au taf, moi, j'ai un exemple très concret récemment. C'est l'affaire Grainerie, une affaire qui a secoué la République. Une polémique qui date de 2002 quand même, où en fait, pour expliquer aux auditeurs qui vont écouter, qu'en fait, en gros, on a Isabelle Balkany, la Bonnie du couple Bonnie and Clyde de Levallois, je crois, et qui avait un employé de la mairie qui avait un nom apparemment imprononçable pour elle et dont elle avait décidé de donner le sobriquet de Grain de Riz. Hein, sûrement en référence à l'amour qu'elle portait au riz basmati, n'est-ce pas ? Et en fait, il y a un comportement un peu étrange de l'employé qui un peu a validé les propos qu'elle tenait et en disant que moi je l'appelle graine de couscous, donc bon, ça va et tout. Comment tu analyses un peu cette... En fait, quand j'ai vu ça sur les réseaux, je me rappelle, j'étais sur mon téléphone, je vois grain de riz, tout ça. J'ai mis mon téléphone comme ça, je l'ai posé, j'ai dit on reviendra plus tard. En fait, c'est tellement choquant. Et en fait, ce truc du nom, en fait, il revient souvent. En fait, il faut rappeler aux gens, si tu arrives à dire Dostoïevski, tu peux dire calme-toi. Tu peux dire Ibrahima, tu peux dire Idriss, tu peux dire. Voilà, si tu arrives à dire Dostoïevski, Einstein. Tu peux dire mon prénom, en fait. Et tu peux dire mon nom. Et en fait, il y a ce truc. Et c'est hyper violent, en fait, de. T'es là. En fait, tes parents, ils t'ont donné un. Ils t'ont donné un nom. Et t'arrives au travail, il y a une personne que tu connais ni d'Ève ni d'Adam qui va dire moi, j'ai le pouvoir de te nommer. En fait, c'est hyper violent. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on me pose la question oui, Marie, moi, je m'appelle comme ça, mais déjà, au travail, j'utilise un diminutif. J'ai dit mais tu veux diminuer quoi ? C'est quoi l'enjeu de se diminuer déjà ? Moi, je dis, j'arrive au travail, je suis un salarié. On m'a donné une fiche de paye, on m'a donné une fiche de poste. Dans ma fiche de poste, il n'y a pas écrit, il n'y a pas de surnom, en fait.
Donc en fait, le truc, c'est que moi, j'insiste vraiment là-dessus. Et en fait, il y a un vers de une poétesse que j'adore qui s'appelle Warsan Shire, et qui parle du prénom. En fait, elle dit « Je ne fais confiance qu'aux personnes qui ont l'exigence de bien prononcer mon prénom. » Et ça, je trouve que c'est un indicateur hyper, hyper, hyper fort, en fait. Et je pense aussi qu'il faut faire la guerre là-dessus, en fait. Il faut trouver des stratégies aussi. Ah ouais, non, mais en fait, il faut dire tout de suite, moi, je ne m'appelle pas comme ça. Oui, mais ton nom est difficile à prononcer. Ah bah, tu vas devoir t'y habituer. Et à ton avis, qu'est-ce qui explique qu'une personne, par exemple, comme ce monsieur, que j'ai pas envie de nommer Grenery, mais comme on connaît pas son prénom, du coup, bon, bah, cet employé de la ville, comment tu expliques qu'il soutienne ça, qu'il fasse des massages du bras à sa patronne? Est-ce qu'il internalise des choses? Est-ce qu'il est d'accord? Bah en fait, comme on est socialisé dans une société raciste, bien sûr qu'on intériorise des choses. Et puis il y a aussi, moi je connais pas ce monsieur, je connais pas la vie de ce monsieur, mais je me dis en fait, je ne peux qu'avoir en fait une infime idée des violences qu'il a subies pour en arriver là. Et aussi, il faut savoir que c'est aussi peut-être une stratégie de survie de sa part. Et peut-être qu'il est dans une forme de déni pour pouvoir survivre. Et en fait, le truc, c'est que c'est insupportable pour nous de voir ces images. Mmh. Ça, c'est clair. Et donc, on a envie qu'il se bouge, on a envie qu'il attaque Isabelle Balkany au prud'homme, ouais, etc. Mais il y a aussi la question des ressources mentales aussi. Le truc, c'est que nous-mêmes, en tant que public de ça, en fait, c'est cet homme-là, soit on se bat avec lui, soit on se bat contre lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que on peut pas mener en fait ce combat à sa place. Et il se peut qu'il ait même pas les ressources pour le mener. Et il se peut que cette situation, eh ben peut-être que c'est une situation en fait, je dirais pas qu'il lui convient, mais c'est une situation à laquelle il est habitué. Et peut-être aussi qu'on a aucune idée en fait des conséquences. Si jamais il voilà, peut-être vraiment qu'il a pas le choix. Et c'est à nous aussi d'avoir cette empathie. Et d'avoir aussi cette compassion pour cet homme. Et je pense qu'on a tout intérêt à ne pas le juger, parce que nous tous, que ça soit dans cette pièce ou de manière plus générale, nous tous, on a été dans ces situations-là. Les situations où on te fait une blague mad raciste et puis t'as ce petit rire gêné parce que t'as l'impression que tu peux pas faire autrement. Quelque part, à des degrés différents, on s'est tous retrouvés à la situation de ce monsieur. C'est ça, exactement. Donc c'est hyper important en fait de pas se positionner en juge sur ce qu'il vit. Et je pense qu'à un moment donné, quand il trouvera la force et peut-être quand il aura besoin de se battre, il le fera. Je pense que peut-être que c'est le moment que certains attendaient. J'ai vu qu'il y avait des gens qui acquiesçaient très fortement dans le public. On va peut-être faire passer un micro, et si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher peut-être et poser les questions que vous voulez à Marie. Mais venez. Bonjour Marie. Bonjour. Ma question, elle est toute simple. C'était de savoir si en 2020, tu avais prévu des ateliers. Voilà, en non mixité. Oui. Donc c'est bien que tu dis ça, parce qu'en fait tous mes ateliers sont prévus en non mixité. Après, j'irai en prison, mais bon, après, voilà. Écoute. Donc, en fait, là, il y a un atelier le 23 février qui est à l'adresse des étudiants. Et donc, en fait, il est déjà... malheureusement, il est déjà complet. Mais en mars, je vais faire un atelier sur la prise de parole en public et l'argumentation. Et je vais en faire un sur la négociation salariale. Parce qu'en fait, la question du salaire... Ah oui, ça, c'est... Elle est chaude. La question du salaire, elle est chaude. Et puis en plus, la moula. Parce que je remarque aussi que les personnes minorisées, quand on leur demande de négocier le salaire, en fait, déjà, elles arrivent en entreprise, elles sont déjà en gratitude, en mode merci. Oh là là, merci de m'avoir pris. Merci, merci. Et sinon, votre salaire, un panier d'œufs. Un bisou, un câlin, un hug. Voilà, et en fait, la question du salaire, je trouve, elle est vraiment centrale, en fait. Et en fait, j'ai eu le cas d'une amie qui travaille dans le milieu juridique, qui passe un super entretien, elle a tous les arguments, elle a réponse à tout, et au moment du salaire, elle donne un salaire. Et ensuite, elle reçoit un coup de fil du boss en question qui lui dit « Bah, moi, je vous prends pas ». Elle a dit « Mais je comprends pas, l'entretien s'était bien passé ». Il a dit « Mais le salaire que vous m'avez donné, ça veut dire que c'est vous pensez valoir ça, je peux pas engager quelqu'un qui a pas confiance en son travail ». Bim. Depuis, elle négocie son salaire.
Depuis, elle négocie son salaire, en fait. Et ça, c'est vraiment une question centrale, parce que, un, c'est la moula, c'est ce qui nous permet de payer notre loyer. Et de deux, en fait, ne pas négocier son salaire, c'est aussi ouvrir les portes de sa propre précarité. Parce que quand t'as Jean-Michel ou Géraldine qui arrive et qui est payé 30% de plus que toi et que tu le sais, je te défie de performer. Donc, négociez vos salaires par pitié. Et donc, on verra ça en mars. Okay, bonjour, bah, j'aurais plein de questions, mais j'en posais qu'une. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Aïcha. Mmh. Et voilà, j'ai une situation récemment au travail, enfin, je travaille dans le conseil, et j'ai une cliente qui était très, très difficile depuis le début, avec à chaque fois des commentaires du style « Ah, je sais pas, on n'arrive pas à communiquer, on vient pas du même monde, je comprends pas, j'ai l'impression que tu mets de côté, j'ai l'impression que... » Enfin, vraiment beaucoup de choses assez vagues, où elle disait « Bah, ton travail, y a pas de souci, t'es super bien calé dans ce que tu fais, mais par contre, j'arrive pas à communiquer avec toi. » Et ce qui a fait qu'au bout d'un an sur le projet, elle a demandé qu'il change de chef de projet. Donc du coup, j'ai plus le projet. En interne, je suis quand même valorisée. On me dit que oui, Aïcha, c'est que l'entité est très difficile, c'est pas toi, on sait que ton travail est super bien. Mais bien sûr, je suis mal à l'aise. Pour moi, quelque part, ça reflète quand même sur la qualité de ce que je fais. Et j'ai du mal, non seulement à avancer dans mon travail sans me sentir touchée par un échec, hein, ça revient là-dessus, parce que je peux pas m'empêcher de voir ça comme un échec, comme si on me disait que mon travail avait une bonne qualité. Mmh. Quand je suis rejetée par le client, je ne peux pas m'empêcher de le prendre quand même sur mon travail. Et je n'arrive pas à en parler aussi avec mes collègues pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas seulement d'une cliente compliquée, il ne s'agit pas seulement d'un projet stressant, mais qu'il y a quelque chose derrière, il y a de la discrimination en fait, derrière son comportement. Et ce qui est compliqué, c'est d'avoir des gens en face de moi qui me disent « bah oui, en fait elle est chiante ». Je dis non, mais elle n'est pas seulement chiante, il y a autre chose derrière, quoi. Et comment arriver à avoir cette conversation sans passer pour la grosse parano qui n'arrête pas de remettre ce sujet sur la table ? Voilà, c'était un peu long, mais... Merci, ça, merci. Ouais. Moi, je te répondrai en fait sur plusieurs... je te répondrai en fait sur plusieurs aspects. En fait, pour moi, en fait, il s'agit de se poser aussi les bonnes questions. Par exemple, imaginons que tu marches dans la rue. J'espère que ça ne va pas t'arriver, mais imagine que tu marches dans la rue et que je te renverse avec mon vélo. Tu n'as pas à te sentir responsable. Non. Tu vas pas rentrer chez toi en disant mais moi aussi qu'est-ce qui m'a pris de sortir, qu'est-ce qui m'a pris de marcher. Tu vas pas dire ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a ce que il y a ton travail et il y a aussi les circonstances qui t'ont été données. En fait, toi, tu t'es levé le matin, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as performé, t'as respecté les indicateurs qu'on t'avait donnés, t'avais une liste d'objectifs que tu as rempli. En fait, t'as fait ce que t'avais à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, la personne d'en face, en fait, si elle a décidé de ne pas t'accepter, si elle a décidé que ses préjugés étaient tellement importants qu'elle ne pouvait pas travailler avec toi malgré l'excellence ou la qualité de ton travail, ça lui appartient à elle. En fait, tu peux pas être responsable de la médiocrité de la personne d'en face. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, en tant que salarié, en tant que professionnel, t'as réalisé tout ce que t'avais à réaliser sur ton cahier des charges. Et on te la met, elle-même, elle te l'a dit dans son absurdité. Tu travailles très bien, mais en fait, t'es un peu trop noir, je peux pas travailler avec toi. Si on fait les sous-titres, c'est ça. Et donc toi, en fait, t'es peut-être en train de prendre la responsabilité de ça. T'es en train de prendre la responsabilité de son racisme, en fait. Et de sa médiocrité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, quand on est en situation d'échec, faut toujours vraiment donner à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire délimiter de manière très claire les responsabilités. Tu vois ce que je veux dire ? Dire, bon, ça, peut-être que je suis responsable de ça à 5%. Mais les 95%, excuse-moi, c'est elle. Je dirais que si on veut, par exemple, ergoter, si on veut pinailler, ben, en fait, le truc, c'est, si j'imagine, en fait, un axe de qu'est-ce qui aurait pu se passer, ben, peut-être à quel moment t'as alerté tes responsables de la difficulté à travailler avec elle. Est-ce que tu t'es imposé par rapport à elle, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles tu peux réfléchir pour pouvoir t'en sortir si ça t'arrive une deuxième fois. C'est plus ça, en fait, l'enjeu, c'est si ça m'arrive une deuxième fois, comment, quels enseignements je tire, en fait, de cette expérience négative. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu me dis, mais évidemment que toi, tu n'as aucune responsabilité dans ce qui vient de se passer. C'est elle et son absurdité, c'est elle et son racisme. Et en fait, tu te rends compte qu'elle est tellement absurde qu'elle est prête à perdre de l'argent parce qu'elle ne peut pas se retrouver en face de toi. Est-ce que tu te rends compte de l'absurdité? C'est ça. Elle va prendre quelqu'un qui ne connaît pas le projet. Elle va prendre quelqu'un qui n'a pas l'historique. Elle va prendre quelqu'un avec qui elle va perdre du temps puisque cette personne devra être formée parce qu'elle ne peut pas travailler avec une personne noire.
Mais son projet, Inch'Allah, qui coule demain. Non, mais on va être extrêmement clair là-dessus. La troisième chose sur laquelle je voulais te répondre, en fait, je vais être très dur, mais en fait, faut pas surestimer les gens. Les collègues à qui t'en parles, ils n'ont pas la grille de lecture qui vont permettre d'appréhender ce que tu vis de manière claire. Jean-Michel, il va te dire, mais bah oui, elle est chiante. Mais Jean-Michel, il s'est jamais interrogé sur les dynamiques. Tu vois ce que je veux dire ? Jean-Michel, il a BFM TV. Donc Jean-Michel, en fait, il est incapable en fait d'appréhender en fait ce que tu vis. Je dirais que s'il y a quelque chose sur lequel tu dois te battre, c'est être déjà sur un autre projet valorisant pour toi. Et le jour où tu as ton entretien annuel, bien négocier ton augmentation. J'ai travaillé avec une cliente difficile. Où est la moula ? La moula. La moula. J'aimerais que le fil rouge cette soirée soit la moula. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, la moula. Bien sûr. On peut encore prendre une ou deux questions, Marie ? Moi, j'aime bien, moi, les questions. Ok. Qui a une question ? Qui veut faire plaisir à Marie en posant une question ? J'ai pas vraiment de questions. Ouais. C'est plus pour remercier Marie pour tout ce qu'elle fait. Je travaille dans un endroit où, on est une petite minorité. Et au début, j'étais, avant de te connaître, avant de lire les jeudis sur Biotaf, qui peuvent arriver très tard le soir, n'est-ce pas ? La récla. Mais j'étais très dans le expliquer, etc., etc. Et expliquer en quoi c'est raciste, expliquer tout ce qui est dynamique, même qui me concerne pas directement. On parle aussi des dynamiques féministes, etc. J'ai beaucoup perdu du temps. Et avec les 300 secondes, ça m'a permis vraiment de juste vraiment poser ça là, partir et être beaucoup plus tranquille. Donc je voulais vraiment te féliciter pour ça. Merci. Parce que ça nous sert à nous, à tout le monde, je pense. Voilà. Donc bonjour Marie. Ma question, c'est, je sais que tu fais des ateliers spéciaux étudiants. Et est-ce qu'il y a des particularités entre le monde académique et le monde du travail concernant le racisme ? Est-ce que c'est vraiment très différent ? Voilà. Oui, en fait, moi, ce que je constate en fait dans le milieu académique, c'est pas forcément un milieu où on nous attend, puisqu'en fait, on a ce qu'on appelle les conseillères de désorientation, dont le but est quand même, si le moula est le fil conducteur, en fait, les conseillères de désorientation nous éloignent de la moula. C'est-à-dire que non, mon chéri, tu peux pas être avocat ou médecin. Non, ma petite chérie, tu peux pas être professeur des écoles, par exemple. Et en fait, on se rend compte que quand, par exemple, une personne noire ou racisée fait des études supérieures, bah, premièrement, ça veut dire qu'elle a contré la conseillère de désorientation. Et en fait, elle va être encore plus traitée comme un accident industriel, en fait. Moi, j'ai plein de personnes qui font appel à moi, qui sont à Sciences Po et à qui on dit « Oh, t'as dû profiter d'un programme d'égalité des chances. » Mais je suis majeure de promo, en fait. Donc en fait, je trouve que le racisme, en fait, il est encore plus pernicieux dans les milieux académiques, parce que déjà, on ne nous attend pas dans des milieux de savoir. On n'est pas censé être producteur de savoir. Nous ne sommes que des sujets condamnés à être examinés. Nous sommes des sujets de recherche. Nous ne sommes pas chercheurs. Donc ça, c'est hyper important. Et aussi, par exemple, beaucoup de chercheurs, par exemple, noirs ou racisés, se heurtent à quelque chose d'assez... d'assez violent, en fait, quand ils font des recherches qui sont proches d'eux. On va les accuser de manque d'objectivité, on va leur dire « mais tu peux pas travailler sur ce sujet, tu es trop proche du sujet. Est-ce que finalement ce travail que tu es en train de fournir, est-ce que c'est un travail de chercheur ou c'est un travail militant ? Alors que toi, tu es juste en train de dire la vérité et que bah, en fait, la recherche, c'est des éléments métriques, c'est des éléments d'enquête, etc. Mais on t'accuse quand même de pas être objectif. Ça veut dire qu'on peut même pas, nous, travailler sur nos sujets, des sujets qui nous importent. Ah, j'ai une question. Non, parce qu'en plus, c'est une question que j'avais prévu de te poser, puis je me suis dit peut-être que ça, c'était un peu trop trigger sur la notion d'intersectionnalité. Mais en fait, en gros, souvent, tu t'exprimes sur des sujets en lien avec les femmes racisées, ouais. Ce qui est tout à fait legit, hein, y a pas de question là-dessus. Et puis, c'est des personnes qui sont au croisement de plein de discriminations. Mais finalement, la question des hommes racisés, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà eu à travailler ? Est-ce que c'est quelque chose qui mérite d'être observé et travaillé ? Bah, au début, je travaillais qu'avec les femmes. Mmh. Et un jour, je marche dans la rue et t'as un mec qui me reconnaît de Twitter et qui fait « Les hommes aussi ont des problèmes, ok ?» Et là, j'ai fait
Déjà, bonjour. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais quand même commencer à travailler. En fait, c'était même pas un truc, je me dis, voilà. Moi, je pars de mon expérience, donc c'est une expérience de femme. Donc je me suis dit, pour commencer, je vais quand même travailler avec les femmes, puisque c'est elles que je suis mieux à même de comprendre. Et en fait, les hommes en fait, sont venus se greffer. En fait, les problématiques. On est venus se greffer, voilà, vous ça. Êtes vraiment venus vous greffer. Ouais, mais vraiment, il m'a attrapé dans la rue. Non, après, après, c'est nous qu'on est des parasites. On a eu un Oscar. Hein. Vous avez dit, voilà, vous avez dit, bon, nous aussi, on a des problèmes. J'ai dit, ah. C'est vrai, c'est vrai. Et ce que je remarque, en tout cas, sur les hommes racisés, notamment les hommes noirs au travail, il y a cette question de l'hypersexualisation. C'est vrai. Il y a la question du harcèlement sexuel qui est assez prégnante, en fait. Oui. T'es là, devant ton ordinateur, une personne random vient de parler de ton pénis, qu'est-ce qui se passe ? T'es au travail. déjà ça, et donc le harcèlement sexuel, et aussi... Il y a une certaine violence concernant les hommes racisés au travail, puisque le stéréotype d'agressivité, de dangerosité est tellement important que la personne en question est obligée de se lisser au maximum. Et quand tu te lisses au maximum, ça veut dire que tu te prends des remarques qui sont violentes et tu ne peux rien dire. Tu as l'impression que tu ne peux rien dire. Tu te prends des insultes, tu as l'impression que tu ne peux pas y répondre, sinon tu vas passer pour un homme violent, etc. Donc en fait, tu es obligé de te lisser au maximum et quelque part, tu vas même à l'encontre de ton instinct de survie. Les hommes que j'ai pu accompagner, en fait, parfois sont dans des situations assez inouïes. Puisque comme ce sont des hommes, en fait, la violence, elle est quelque part décomplexée. Mmh. Et la personne en fait, qui t'agresse en face, elle sait que tu n'as pas la possibilité de répondre. Mmh. Exact. Moi, je sais qu'en tant que mec, je vais parler de ma vie, hein, c'est un story time, on est clairement. Moi, je mesure près de 2 mètres et les kilos qui vont avec. Et je sais que souvent, alors qu'il n'y a absolument rien d'agressif dans mon comportement, puisque comme tu le dis, on se lisse comme on peut, hein, souvent on me fait la remarque de quand je marche avec quelqu'un, t'es venu avec ton garde du corps à la personne en parlant de moi. Donc je suis devenu un peu le garde du corps souvent, donc maintenant je dis ouais mais j'ai quand même bac plus 5 donc non. Donc voilà, en plus garde du corps c'est pas que c'est pas un bon métier mais bon voilà quoi. Et souvent ouais l'injonction à l'agressivité, quand tu dis quelque chose faut vraiment parler doucement. Non mais écoute Edouard, c'est pas ce que je te dis. Ouais, voilà, comme une souris. Exactement, ouais. un peu coincé dans soi-même quoi, un peu prise de plein air de son propre corps tu vois. Bah en fait c'est ce qu'on appelle en fait l'identité contrariée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es tellement conscient de ce que tu représentes que à chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation, le but, ça va être d'aller à l'encontre de ces représentations. C'est vrai. Tu vois en fait, moi, j'ai eu le cas d'une personne en fait, qui se lissait tellement. Genre, il y avait du poulet à la cantine, même si cette personne aime le poulet, elle va se dire « Ah non, je peux pas. » t'es allé voir Black Panther ?»« Ah non, j'irai pas le voir. » tu vois, c'est des trucs bêtes, mais... Tu vois, le truc d'aller à chaque fois à l'encontre, même parfois, faut le dire, parfois on correspond au cliché. Oui, mais c'est pas bien grave. Mais le poulet, c'est toute ma vie. j'aime Black Panther, tout ça, ok, c'est peut-être un cliché qu'on impose sur moi, mais si moi, même je m'enjaille avec ça, tu vois, où est le problème ? On va l'assumer. Donc c'est vrai d'ailleurs que je sais pas si les gens qui sont ici dans le public l'ont vécu, mais la sortie de Black Panther, ça a été un grand moment de question. Mais tu penses pas que bon, il est un peu méchant avec le seul personnage blanc du film ? Pourquoi Black Panther, ça rappelle les Black Panther et tout ? Beaucoup Alors de questions. Ça, hein. Je ne le dirai jamais assez. Beaucoup de 300 secondes. Voilà, en fait, les 300 secondes, c'est un crédit. Tu te dis que tu as 300 secondes pour répondre à ce type de questions dans la journée. Et comme tu sais que tu as 300 secondes, tu vas être extrêmement précis, concis dans tes réponses. Si par exemple, Jean-Michel vient te dire « Oui, alors Black Panther, les gens ont été méchants avec le personnage blanc », toi, tu dois dire « N'hésite pas à envoyer un mail au réalisateur. N'hésite pas à envoyer un mail au réalisateur parce que si toi tu t'assois pour lui expliquer, t'es morte. Oui, tu n'es pas dans la prod. Tu n'es pas dans la prod. Tu n'es pas chez Marvel. Non mais c'est ça. Comme on est responsable de. En fait, les Noirs. En fait, on vient d'un continent qui s'appelle la Noirie. Ouais. Oui, je me souviens. Ouais. Voilà, on vient de la Noirie et on est tous responsables des uns des autres et on communique par télépathie. Oui, exactement. C'est-à-dire que la question. Qu'on va me poser pour le réalisateur de Black Panther. Tu vas lui transmettre ? Je vais lui transmettre. C'est beau, c'est beau. Donc du coup, je pense qu'on peut conclure. Merci. Merci à vous.
Et il me reste plus qu'à te remercier. Merci, merci à vous tous. Où est-ce que du coup on peut te retrouver sur les sociaux? Alors bah bien sûr sur Twitter, qui est mon moyen de communication préféré. Yes. Sur Twitter, je suis depuis peu sur Instagram. Et je vais reprendre la communication sur Facebook, puisque vous aimez trop Facebook, je ne sais pas pourquoi. Mais on se pose la question. Ça me fatigue, mais bon voilà, allons-y. Je suppose que vous avez tous Instagram sur... Alors j'ai envie de voir vos téléphones, pas seulement pour faire des photos, mais pour follow le Bendo Chic, si je ne l'ai pas encore fait. Et bien sûr, follow le Moicast, @ le Moicast. Ça me permet d'avoir bien des abonnés, d'être un influenceur et d'avoir des places en produit. Pour des crèmes de jour, bien sûr, mesdames, messieurs. Merci, Manu, pour la réal. J'espère qu'on n'a pas trop hurlé dans ton truc, ok. Merci à Podcut qui nous donne l'opportunité d'avoir le podcast qui va sortir. Donc, j'ai envie de dire la semaine prochaine, mais comme je suis fainéant, donc c'est peut-être le mois prochain. Donc, on verra. Mais en tout cas, ce sera disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et partout. Donc n'hésitez pas à le partager quand ça va sortir. Vous n'avez plus qu'à vous applaudir parce que vous avez été extraordinaire. Merci à tous. Et pour terminer, je dirais que je parlais des premières et des appréhensions. Et effectivement, j'avais beaucoup d'appréhensions. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et je dois dire que ça en valait le coup. Merci à vous et ciao.